La réputation qui pourrait faire de lui, elle, ou même lui, un mythe. C'est surtout une question de savoir-faire. D'abord, se préparer, puis réussir son entrée. Il pense qu'on est des barbares. Ne les décevons pas. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? On pille, bien sûr. Mais pas n'importe quoi. Prenez ce qu'ils ont de plus cher. Ils ne s'attendent pas à ce qu'on épargne qui que ce soit. Mais laissez-en au moins un. Lui, par exemple. Va dire à tout le monde que le diable est ici chez lui, maintenant. Eh bien, bonsoir. Comment ça va, monsieur Docteur Nintendo? Salut, T41, comment vas-tu? Comment ça va? Je t'envoie un message privé au parrain de jeux de WAM, alias T41. Comment ça va, T41? Comment ça va, Docteur Nintendo? Vive la mère patrie. Je n'ai qu'un mot à dire. Vive la mère patrie. La mère patrie qui nous accueille tous. Et en plus, Docteur Nintendo, il est passé niveau 47 grâce à la mère patrie. Comment allez-vous en ce soir pluvieux? J'espère que vous allez bien. Nous, ce qu'on va faire, c'est continuer la mission Asgard. Donc pour continuer la mission Asgard, il faut tout simplement se rendre ici. On va cliquer ici. Pardon. Voilà. On va virer tous les points en rêve. Parfait. Et on va franchir la porte de Jotunheim. Pas trop mal, dans le possible, WAM. Il est super ton émoticône T41. Ça va bien parce que je peux faire ça. T'as trouvé l'émoticône de la faucille et du marteau quand même. Quand tu l'as vu, Docteur Nintendo, je pense que tu as dû avoir chaud au cœur. Allez, c'est parti, direction le Jotunheim. Même si ce n'est pas... Même si ce n'est pas une mission principale, ce n'est pas grave. Je prends plaisir en Asgard. Moi qui comptais faire le jeu en ligne droite. Eh ben, c'est raté déjà avec Asgard. Messieurs, c'est parti. Est-ce qu'on est bon pour le test son, image, voix? J'ai aussi un autre émoticône. Je ne veux pas le voir, Docteur Nintendo. Tout est ok pour l'image, tout est ok pour le son, on est bon. Bienvenue sur la chaîne de Martin, alias Wamartin. N'hésitez pas à lâcher à lâcher votre gros like et le follow. J'ai aussi un autre émoticône, ben quoi? C'est une Svasiskaya. Svasiska. Qu'est-ce que c'est la Svasiska? Allons, oh, on a entendu la porte s'ouvrir. Un froid glacial sort de cette porte. Nous allons tout de suite découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. L'effet Doc m'a fait flasher sur le drapeau russe. Allons-y. On va d'abord afficher la quête à proximité. Faut pas trop déconner non plus. Voilà. Quitter Asgard pour emprunter la porte du Jotunheim. Le grand achèvement. Fin de quête. D'accord.
C'est tout? Il y a une nouvelle quête qui va s'ouvrir, non? Ah si, ça y est. Je commence à disparaître de l'écran. C'est ça, le symbole asiatique repris par les Zina pour leur croix gammée. Vous avez vu, je me censure automatiquement. Ah d'accord, ben, je me réveille. J'étais Asgard pour le quitter. Ton visage est radieux et tu as le regard plus vif. Raconte-moi tout ce que tu as vu. Je suis allé en Asgard, la contrée des dieux. J'ai vu par le regard d'Odin, oui. J'ai vu à travers le regard d'Odin, comme tu l'as dit. Lors de chaque vision, j'ai été en lui. J'ai vécu ce qu'il a vécu. Je me suis retrouvé dans son corps. Mais c'est son esprit qui décidait. Ses pensées m'ont simplement paru être les miennes. Nous étions deux. Mais ne faisions qu'un. Et qu'as-tu appris? Plus qu'apprendre, j'ai perçu. Tout ce qu'il est. Ses peurs, ses doutes, ses amours, ses passions. Incroyable. Quoi d'autre? C'est quoi le drapeau Covid de T-41? J'aimerais bien le voir. J'ai côtoyé Loki. J'ai côtoyé Loki, le roublard. Nous nous sommes souvent querellés comme des frères. Mais nos disputes ont vite pris un tour sombre. Quand il m'a avoué avoir engendré un loup, mon sang n'a fait qu'un tour. Parce qu'il t'avait caché la vérité? Oui, il savait que les loups étaient bannis d'Asgard. Il avait désobéi. Tel était peut-être le but de ta vision. Surmonter une peur intérieure et trouver en ton cœur le pardon. Peut-être. Mais avant la fin de la vision, j'ai aperçu un objectif. Et j'ai conçu un plan. Me rendre au Jotunheim. Ensuite, je me suis réveillé. Intéressant. Y a-t-il eu autre chose? J'ai redouté la venue du Ragnarok. J'ai entendu une prophétie à propos du Ragnarok. La destruction du monde, la fin des temps et les Nornir. Elles m'ont dit de prendre garde au grand loup Fenrir qui voulait boire mon sang. Mais il y avait autre chose. De l'espoir. Je n'ai pas eu peur du cataclysme qui approchait. Peut-être cet aspect de ta vision t'a-t-il encouragé? Tu as vraiment été touché par les dieux. Y a-t-il eu autre chose? Je n'ai plus rien à dire. Rien d'autre. Enfin, rien de bien important. Le rêve s'est dissipé. Eivor, tes visions surpassent tout ce que j'ai connu. Laisse-moi maintenant. Je dois réfléchir à ce que tu m'as dit. En rêve. Je peux y retourner du coup maintenant ou pas? Plus profondément, on peut y retourner je crois. Hein, on peut y retourner. D'abord on va aller faire des points de compétence. Discrétion. M'en tape. Ensuite. Dégâts puissants. C'est quoi ça? Appuyez sur R1 pour sprinter et envoyer un coup. On va faire ça. Parfait. Résistance à distance, oui, je prends. Ensuite, ça c'est quoi? Attaque plus 1. Bonus à tous les équipements alignés sur le loup. On va prendre. Discrétion. Ici, on a quoi? Dégâts de tir dans la tête, dégâts d'assassinat. C'est que de la flèche, ça. C'est où le guerrier de chez guerrier? Du cœur. Et ça, c'est quoi, ça? Combattre critique au corps à corps. Oui, je prends.
Cadavre explosif, j'avais pas pris. Amélioration de la maîtrise, oui, ça je prends. Il me reste 5. Fic. Oh putain, c'est juste. Pour le hache à crochet. On est passé à 115 en puissance. Très bien. Et il me reste plus de points. C'est exactement ce qu'il me fallait, la hache. Après, on aura de la santé. Et ici, le miasme. Empoisonnement. Dégâts d'assassinat, ok. Est-ce que je peux y retourner, à Asgard? Est-ce que je peux y retourner? Je peux pas, je crois. Défi de maîtrise. Luden. Ravenstorp. Quoi, toutes ces quêtes là que j'ai pas faites? Un nouveau foyer, la colonie. La colonie niveau 3, bâtissez là. D'accord, atteindre le niveau 5 de colonie. Mener à bien 10 contrats. D'accord, trouver et tuer les membres de l'ordre. Une brève histoire de... Trouver toutes les pages du codex. Oh putain, d'accord, il y a du boulot. Il y a du boulot. Bon, bah écoutez, on va rendre compte sur Luden. Parler à Itam. Parti. Il est où Itam? Il est pas trop loin, je crois. Vas-y, dans tes 41, comment ça va? À quoi tu joues en ce moment? Dis-moi tout. Est-ce que ta PS5 chauffe à mort? Qu'est-ce qu'il va nous dire, Etam? L'ordre a été chassé de Lunden. Pour l'instant, il n'y détient plus aucun pouvoir. C'est une bonne nouvelle. J'aimerais pouvoir la fêter, mais hélas, Yervik est victime du même fléau. Yervik est une ville tenue par des gens du Nord. Je devrais pouvoir y trouver plus facilement des alliés. Tu vois les choses avec optimisme, Eivor. Si tu entends te rendre là-bas, va voir Ranvi. J'ai quelque chose pour toi, mais cela risque de te déplaire. Je t'écoute. Tu te souviens de Gorm, le fils de Kyodve? Il a repris la place de son père au sein de l'Ordre. Intéressant. Gorm est ici, en Angleterre. Est-ce qu'il figure sur notre liste? Il fait partie de nos cibles, oui, mais il n'est pas en Angleterre. Il est plus à l'ouest, sur une terre appelée Vinland, découverte il y a des siècles par un marin irlandais du nom de Brendan. L'Ordre des Anciens semble, depuis quelque temps, vouer une fascination au Vinland, mais j'ignore pour quelle raison. Je vais tâcher de le savoir, après en avoir fini avec Gorm. On m'a dit que le Vinland était très éloigné. Il te faudra peut-être des semaines pour le trouver, après un long et périlleux voyage. Aucun danger ne peut me faire reculer, Itam. Je vais en parler à Ranvi et trouver le moyen de m'y rendre. Il y a autre chose? Ok, bon, filet plein de trucs. Non, le matériel, ok, opérationnel. T41. Opérationnel, la PS5, ça fait plaisir. Mais à quoi tu joues? Remettre 6 médaillons. J'en ai pas 6, parfait. Remettre 6 pages de codex non plus. Je dois partir. Alors va en paix. On va filer. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? On va choisir une nouvelle mission. Hein. On va choisir une nouvelle mission. Là, ce poignard au début. Oui, mon mignon. Oui, mon mignon. Il parlait à qui? Oh, mais c'est mon loup, ça. Oh, c'est mon loup. Il est mignon. Ça fait plaisir. Mon amour. Montre-moi la carte des alliances.
va juste l'embrasser parce que ça fait plaisir. C'est pas bien de voler la femme de son beau-frère. Alors, montre-moi. J'aimerais voir la carte des alliances. As-tu discuté du Vinland avec Aitam ? Oui. Bien. J'ai marqué l'endroit sur la carte, malgré l'incertitude de son emplacement exact. Dis-moi quand tu comptes partir. Alors, level 130, level 250, level 190. J'ai le CL à part, sinon Dirt 5 en ligne, et d'autres sinon plus le PC. Ah, tu joues plus sur le PC. Oh putain, le Vinland 160. D'accord, carrément. Ah oui, oui, il y a d'autres cartes du coup. Ok, on va passer sur une autre carte pour le Vinland. Level 160. 130, c'est un peu juste. Ah ouais, d'accord, ça a baissé. Ici, on peut rien faire pour le moment. On va faire le Sikoshkarier. Comment ça se dit? Skiro Speskir. Skiro Pessir. Shiro Peshire, je dirais. Snowfing Amscryer. C'est quoi ces noms? Et là, on peut pas choisir ici. Bon, écoutez, on va faire le niveau le plus à l'aise. On est le plus à l'aise, ça serait celui-là, level 130. Ainsi, Cheolbert a rejoint le Shiropshire. Oui, et la situation y est délicate. Le comté est depuis longtemps en guerre avec Rodri, roi des Bretons. Cheolbert espère négocier une paix avec les Bretons de l'Ouest. Une tâche difficile pour quelqu'un manquant autant d'expérience. Espérons qu'il ait retenu tes leçons. En effet, mais je pense que tu devrais superviser ces pourparlers. Si Cheolbert atteint son but, nous gagnerons une alliance précieuse. Et Docteur Nintendo, il joue à quoi? Salut Toptof, comment ça va? Bienvenue à toi Toptof. T41 nous dit, oui, les RTX costauds, mais la Play aussi, donc ça va. Ah, il est RTX ton PC? T'as une carte graphique RTX, T41? Si c'est le cas, c'est de la carte graphique qu'on voit du lourd, hein. Ça rigole pas. Bon, on va aller au Shiro. Shiro Peshire. Une nouvelle histoire en cours. Bon, ça va toujours bien, Toptof. J'en suis soulagé. Ivar et lui devraient se trouver à Quatfort en ce moment. C'est au bord de la Fonafren. Si Ivar est avec lui, mieux vaut que j'arrive sans tarder. On va retrouver Ivar. Et ça, ça fait plaisir. Des comtés étranges, c'est quoi cette quête-là? Des comtés étranges. Lassitude du guerrier. Des comtés étranges. Si en plus on se refuse rien. Attendez. Parler à Randvi. Dans une contrée étrange. Ça peut être pas mal de faire cette quête. Rompre. Ah, on peut rompre. Ah, on peut rendre. Le RTX, en plus, on se refuse rien. Bon, bah écoutez, on va pas rompre, on s'en fout, nous on veut la guerre avec notre beau-frère. On va partir sur la mission, parler à Randvi, mais si je lui parle, comment ça marche? Montre-moi les reins, l'embrasser, partir, rompre. Mais j'ai pas l'option parler à Randvi. J'aimerais voir la carte des alliances. Et sa quête, elle est où? Sa quête, elle y est pas, là. J'ai changé. Bon, tant pis. On va aller à l'endroit où on a dit.
Le Shiro Preacher, on a dit. Et je dois aller où du coup? Ici, la lassitude du guerrier. Ivar et ses hommes sont arrivés dans le Shiro Preacher. Putain, Shiro Preacher, afin de contraindre Rodri, roi des Bretons, à négocier la paix. L'évêque d'Eolarf s'efforce de faire avancer les pourparlers. Alors j'aimerais bien avoir ton avis, Top Top et T41. Vous pensez quoi de ces mini-scénarios dans chaque région? Est-ce que vous auriez préféré... Est-ce que vous auriez préféré une histoire en fil rouge continue? Ou ce système de mini-scénario pour chaque raison vous convienne très bien? Le livre des dragons, mais sans dragons. Pourquoi tu me dis ça, Top Top? Le livre des dragons, mais sans dragons. Non, la carte Sly 2080 RTX. Ouh, c'est une carte puissante, ça, T41. C'est une carte très 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 puissante, ça. Je crois que c'est la... C'est l'avant-dernière. C'est la deuxième plus puissante. Après la 3080, je crois. Si je ne me trompe pas, bien sûr. Costaud. Quel chemin il va me prendre, ce cheval fou, là? Je sens qu'il va me prendre un chemin de merde. Oh, il y a un magnifique lac en face. Un magnifique lac. Je viens de voir le livre des dragons, j'ai pas rêvé. Comment ça, le livre des dragons? Salut Big Matt, comment ça va? Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien, Big Matt. What beau, à quoi tu joues en ce moment, Big Matt? Bon, je crois que c'est le village qui est en face. Putain, la vue est magnifique. Hein. Alors, autant je trouve que les vues... Je trouve que les vues sont moins quali que celles de Assassin's Creed Odyssey. Mais autant là, celle-ci, elle envoie du pâté. Hein. On va essayer de faire une petite photo. On va essayer de faire une petite photo. Parce que cette vue est... Elle claque. Hein. La petite vue sur le... Bon, j'ai raté mon cadrage, mais bon, tant pis. Je voulais cadrer le cheval. Bon, tant pis. Par deux en plus, SLI. Là, je peux pas passer. Mon cheval va décéder. Si je passe par là, mon cheval va décéder. Si je passe par là, est-ce qu'il va décéder? Non, il n'est pas décédé. Parfait. Il y a une maison longue là-bas. Je pense que c'est ce village. Un peu perdu dans la nature, mais à proximité d'un lac magnifique. Et vous voyez, le lac, on le voit plus, hein, à partir d'ici, hein, du moment que tu descends. Ok, c'est parti. Une semaine en Italie, 24 degrés, ça change de la France. Oh, tu t'es mis bien, Big Matt. T'as été où? Est-ce que t'as été à Rome? Italie, je connais pas très bien. J'y suis allé deux fois, je crois. J'ai fait Civita Vecchia, une ville au bord de mer. Et je suis allé à Rome également. Oui, Rome, Florence, Pise, Naples. Oh, tu as vu la tour de Pise?
J'aimerais bien la voir, un de ces quatre. Qu'est-ce qui se passe? Oh, attendez, j'ai cru voir Ivar. Trouver Quetford, qui est dans le Shiopetshire. Ce lieu se trouve entre deux lacs, le long de Alphen. Spoil, elle est de travers. C'est pas faux, Big Matt. Ah non, c'est qu'un bras de fer. C'est qu'un bras de fer, les gars. Ah, pas mal. Je me disais que ça allait être continu. Mais il y a bien une victoire. Et il lui repropose de recombattre au bras de fer. Et ils le font. Et c'est pas mal. Alors, où je dois me rendre? Ici. C'est dans la maison longue. On va certainement recroiser Ivar. Hein, certainement. Donc c'est le plus... C'est le village le plus paysan qu'on a croisé depuis le début du jeu. La tour de Pise, c'est impressionnant comme elle est penchée en fait. C'est ici que ça se passe, c'est bon. Ivar est là, les gars. Notre Ivar international est ici. Pas trop mal, petit. Mais sois féroce, déloyal. Frappe-moi dans les bras. Tu entraînes ce garçon ou tu veux le tourmenter? L'un finit toujours par mener à l'autre. Bonjour, Eivor. Mon message t'est parvenu à point nommé. Nos négociations avec les Bretons n'ont pas encore commencé. Je serai là quand elles débuteront. As-tu des choses à m'apprendre d'ici là? Le vénérable roi Rodri est présent. Je dois traiter directement avec lui. Rodri cherche désespérément la paix, depuis que nous tenons Goriad à son anguille de frère. Son nom sonne comme un crachat de Glavio. Goriad at Merfin. Rodri attend dans l'église voisine. Qui représente le Shiropshire assez pour parler? Le dernier Elderman a été tué au combat. C'est l'évêque Deorlaf qui le remplace. Jusqu'à ce qu'on mette en place ce nourrisson, c'est bien ce que veut son père. Je trouve l'idée de diriger un comté moi-même assez... assez terrifiante. Alors Toptov qui avait répondu à ma question, désolé d'avoir sauté ton message Toptov, des mini-scénars c'est mieux car on s'y perd moins qu'avec un gros scénario de 50. Mais le truc c'est que l'histoire principale, la réelle histoire principale, elle va commencer qu'à la fin du jeu pour la dernière ligne droite. Donc là je comprends très bien que ça fait partie de l'histoire de rassembler tous les villages du continent, pas du continent mais du pays. Mais c'est vrai que ça rajoute, ça fait des petits scénarios pour chaque région. Pour chaque région. Je reste mitigé là-dessus, Toptov, personnellement. Mais à chaque fois, les histoires sont quand même à minima intéressantes. Donc, ça me va. On en est où dans l'histoire? On vient de faire Londres. Et c'est ça, on vient de faire Londres. Donc en fait, l'histoire, on aurait pu tout faire dans le désordre. Certes, on doit les faire d'une certaine façon par rapport à ton niveau, mais si j'ai envie de farmer mon niveau jusqu'au level 260, si j'ai envie, je fais telle région au lieu d'une autre. Mais là, j'ai fait vraiment les régions demandées parce que je l'ai fait au fil de mon niveau actuel. Donc on vient de faire Londres, pour te répondre, Big Matt. Elle se dresse de jour en jour. Je ne savais pas ça, Toptov. Je savais pas qu'elle se dressait de jour en jour. Ça veut dire qu'il la redresse de manière non naturelle. Je sais qu'elle s'affaissait sur le côté. Je savais qu'il y avait de la restauration. Mais en gros, t'es en train de me dire que l'être humain essaye de la redresser. On est d'accord. Mais cette tour perdrait tout son charme si elle n'est pas penchée. Donc je pense qu'ils doivent la redresser, mais pas trop. Ils évitent qu'elle se penche.
Oui, et elle penche de l'autre côté, top top. J'avais pas vu. Bonsoir, chef Puma, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Non, c'est naturel. Elle se redresse naturellement. Ça veut dire qu'elle s'enfonce, alors c'est obligatoire. Pour se redresser, elle doit s'enfoncer, parce que si elle reste au même niveau, quoi, je veux dire, si elle s'enfonce pas, elle peut pas passer de gauche à droite ou même remonter, c'est pas possible. Pas remonter, mais se redresser toute seule, c'est pas possible. Physiquement, avec la gravité, c'est impossible. Fatigué, mais ça va super bien, merci. Ah bah alors, ça va, chef Puma. Juste de la fatigue. Elle serait droite, grosse arnaque. Oui, elle s'enfonce légèrement, voilà. C'est le fait de s'enfoncer qu'elle redresse. Et je pense qu'ils essayent de faire en sorte qu'elle ne s'enfonce pas trop. Donc le titre d'Eldorman est difficile à porter. Je vais dire, méfie-toi, Aevar. Serait con. Ça t'aidera à t'endurcir. Mais méfie-toi, c'est un vrai renard. C'est toujours comme ça avec moi, petit. Quand ça devient trop calme, je lance des dagues. Je serai sur mes gardes. En tant que futur Elderman, tu dois aussi participer aux discussions. Mais avec humilité. Rodri est roi, et attend qu'on le traite comme tel. Rodri va réclamer que nous nous mettions à genoux pour nous embaumer de ses paix fleuries. Je le connais. Tu l'as rencontré? Rencontré, combattu. C'est à lui que je dois cette entaille. Je pourrais lui rendre l'appareil, lui rappeler pourquoi certains m'appellent tueur de roi. Tu devrais plutôt rester en arrière, Iva. Pour me guider et m'évaluer. Dans ce cas, jure-nous que ta lame ne quittera pas son fourreau. Ne me fais pas rire, Eivor. Je te laisserai parler. Probablement. Excellent. Maintenant, rejoignons l'église. Nos hôtes nous attendent. C'est tout près, à l'autre bout du village. Cela fait bientôt 2 ans que nous sommes en guerre contre les Bretons. Les Bretons avaient l'avantage. Un grand merci, Big Matt. Un grand merci, Big Matt, pour le sub offert à T41 et le sub offert à Top Toff. Un grand merci à toi. Un grand merci à toi. Mais Big Matt, juste trop sympa. Il partage les subs, c'est un vrai communiste. Et tu sais quoi, Big Matt? Il va être trop content, Top Toff, parce qu'au moins, il aura plus les pubs. Et T41 aussi, hein. Tant qu'elle décolle pas comme une fusée, la tour. Un grand merci. Un mec pas sub, j'ai mal aux yeux. Un mec pas sub, j'ai mal aux yeux. Ah, Docteur Nintendo, il a payé le reading, Big Matt. Il a payé le reading, Big Matt. Merci encore, Big Matt. Merci beaucoup pour T41 et pour Top Toff. J'allais le faire, il allait dire. Tu peux le payer quand même, Top Toff. Ça vaut bien deux. Ça vaut deux bien reading, Big Matt. Hein. Un grand merci pour Big Matt. Garde tes points, Top Toff. Nous nous sommes séparés. Son chemin est incertain. Encore un grand merci, Big Matt. Plus de pub pour T41 et pour Top Toff. Ça fait plaisir. Mon cheval, je l'ai suis à pied. Vite, heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là. C'est bon, je vous suis. Ne vous inquiétez pas. Je suis avec vous. Merde, moi qui voulais remonter à 100 000 K. Oui, mais tu as été généreux, Docteur Nintendo. Tu as été généreux. Généreux en redeem. Ne va pas te perdre. Et ça n'a pas de prix.
On voit comment ces points, tu fais point d'exclamation, point au pluriel. Comme ceci. Mais la chaleur y règne. Et je dois te rajouter 8000 points pour tes deux subs. C'est chez lui que nous conclurons la paix. 69000 points, Big Matt, ça rigole pas. Et au top, on est comment ? Big Matt, t'es troisième avec 69000 points. Alors, on va suivre Seolbert et Ivar qui est de retour. Il est de retour, Ivar ! Docteur Nintendo. Alors, qu'est-ce qui se passe ? J'ai entendu parler de pisse. Mangez votre pisse. J'ai cru entendre ça, les gars. Je crois que c'est sorti de la bouche d'Ivar. Wham, j'ai le radar qui s'affole. Des avions traversent l'espace aérien du Wham World. Wham, pourquoi t'as pas continué? Ah, Jotunheim, je t'ai pas répondu, Chef Puma, désolé. Eh bien, en fait, Chef Puma, ben, j'ai tout simplement été à la porte. On a commencé ce live en continuant Asgard. Et quand j'ai été à la porte du Jotunheim, eh ben, je me suis réveillé. Capitaine Ynir, explique notre position à l'évêque. Oui, Majesté. Évêque des Orlaf. Nous refusons d'entendre tout autre... C'est quoi ce nom à dormir dehors ? ...ne nous sera pas rendu. Le frère du roi... Le frère du roi est une bouse de vache couverte de mouches. Toi, je reconnais ton visage, ta puanteur. Ivar, celui qu'on appelle le sans-os. N'est-ce pas moi qui t'ai fait cette cicatrice ? Ah, mais oui. Et j'ai bien l'intention de t'en laisser une plus grande, outre un purin, sur ton crâne de vieux rat. Arrêtez, tous les deux. Arrêtez, Ivar a raison de te défier. Je donnerai toujours raison à Ivar, les gars, parce que d'un coup de poing, il peut m'arracher la tête. Audrey, tu as inutilement sacrifié tes hommes dans cette guerre stérile. Ivar ne te doit pas le moindre respect. Soudain-moi, il fou. De quel droit t'adresses-tu ainsi à mon mari ? Allons, calmez-vous tous. Je ne demande que votre bonne foi. J'ai fait connaître mes exigences. Pas de paix entre nous avant la libération de mon frère Goriad. Il a de la chance de pouvoir encore marcher. Il est tombé sur sa lame en tentant de nous fuir. Je vais bientôt t'aider à choir sur la tienne. Du calme, mon époux. Il est de notre intérêt de conclure la paix. Notre intérêt à tous. Avant toute chose, mon frère. Avant toute chose, ta tête sur une pique. Ensuite, l'avorton sera libre. Mon époux, non ! Assez ! Vous êtes dans la maison de Dieu. Prenons quelques minutes pour nous ressaisir. Il rigole pas, les gars, Ivar, hein ? Je te prie. Je te connais peu, mais Cheolbert t'estime raisonnable. Nous avons besoin de quelqu'un comme toi. Peut-être est-il trop tard. Je vois s'assembler les corbeaux de la guerre. Je détiens une belle somme en argent. Parle à ceux qui sont ici. Si l'argent peut faire pencher quelqu'un vers la paix, offre-le-lui. Bien, alors, c'est la guerre dans ce pays une fois de plus. J'ai l'impression que le frère du roi est enfermé. Choisir qui recevra l'argent. À qui on donne l'argent, les gars ? On donne l'argent à la femme. On donne l'argent à lui. On donne l'argent à Ivar. Ivar. Qu'on ferme les portes, qu'on saigne ce verra et qu'on n'en parle plus. Si je te trouvais de l'argent, accepterais-tu de te tenir pendant que nous cherchons la paix ? La paix. C'est vraiment ce que tu espères obtenir ? Je te l'ai dit, je connais ce chien. De l'argent te calmerait-il ? Peut-être, peut-être pas. Pour te le dire, il faudrait que je le voie de mes yeux. Non, 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 c'est que pour le Jotunheim, Chef Puma, je crois qu'il faut continuer à avancer dans l'histoire principale du jeu. Mais je me suis un petit peu renseigné, je crois que c'est clairement secondaire. Hein. Tu avais raison. À qui on donne l'argent, les gars ? De l'argent dans l'air, j'y réfléchirai. Fais donc ça. J'ai pas voulu lui donner parce que si je lui donne l'argent, il va se contenir. De l'argent
bretons te font si peur que tu préfères te battre à coups de richesse. Qui c'est lui? C'est un clodo, les gars. N'est-ce pas? Le frère du roi Rodri. Oui, et un pion meurtri de votre jeu sanglant. Quelles sont tes relations avec ton frère? Mon frère a de l'amour pour moi, mais il peut se montrer lent d'esprit et entêté. Si j'avais été roi, j'aurais agi différemment. Et si tu en avais aujourd'hui l'occasion? La couronne. Je bondirais sur cette chance de régner. Mais il faut de l'argent pour déposer un roi. Les nobles, ça s'achète. Tu le sais comme moi. Je ne te promets rien. Mais je peux peut-être trouver l'argent qu'il te faudrait. À quelles conditions? Chasser Rodri du trône. Retirer tous les soldats bretons du Shiropshire. Et ne plus jamais menacer cette frontière. Si tu es sincère, je serais ravi de conclure ce marché. Oh les gars, est-ce qu'on donne l'argent au frère pour qu'il vire le roi, donc son frère? Ça serait coup foireux. Hein. Non, il faut pas continuer dans l'histoire principale. Wham. Ah, j'aurais pu y retourner. En fait, ça m'a sorti automatiquement et j'aurais pu retourner à Asgard. C'est ça que t'es en train de me dire? Et maintenant que tu as commencé le Shiropshire, autant finir du coup, effectivement. Allez, vous savez quoi? On va donner l'argent au frère, comme ça va être le frère qui va trahir son frère. Je pense que ça peut être intéressant. Prends cet argent, dépose ton frère, et tu régneras avec notre appui. À la première occasion, je ferai couler son sang. Oh, mais qui est traître! Son propre frère. On va rendre compte à l'évêque des Orlaf. On va les rendre compte à l'évêque. Oh, je suis mauvais. Je suis mauvais. Je crois que j'ai donné l'argent au pire. Au pire. Il est où, Doléarf, là, je sais pas quoi. Deorlaf. Il est où? Il est où, Deolarf? Faut que je parle à tout le monde? Donc le réveil, c'est complètement normal. J'avais donné à Eivar, il me semble. Il est où, Deolarf? C'est lui, non? Eivor, mon ami. J'ai fait mon enquête, comme tu me l'as suggéré. As-tu pris une décision? As-tu remis l'argent à quelqu'un? Le frère de Rodri utilisera cet argent pour s'emparer de la couronne par la force. Il s'est engagé à se rebeller. Est-ce bien judicieux? Rodri, je vois que tu te moques de moi. Je te défie en combat singulier. Eivor, non! Maintenant! Eivor, le sans-os. Et sans échine, sans dents. Et sans dents. Tu ne peux pas me tuer. C'est un dragon qui me tuera, on me l'a prédit. C'est un dragon et qui me tuera. Frère, ta destinée le protège aussi. Goriad! Oh putain. Donc je pense pas que t'as eu cette scène. Sans, je vais les mettre à l'abri, vite. Chef Puma, je pense pas que t'aies eu cette scène. Que cette chapelle soit rouge de son sang! Et Eivor, il vient de tuer le frère du roi. Oh putain, c'est la guerre! Eivor, il a foutu la merde! Ok, il va falloir sortir de la merde. Ok, ouh, je prends des gros dégâts! Hein. Oh putain, je lui ai défoncé. On a eu les derniers. C'est bon, c'est géré. Il est mort, on est dans la merde. Hein. Ça, c'est de la diplomatie viking. Ça, c'est de la diplomatie viking. Eivor, tu as anéanti tout espoir de paix. Ne te laisse pas berner par la paix, petit. Ce n'est qu'un mot creux entre deux coups de hache. D'où Jésus, c'est un massacre. Nous n'avons plus le choix désormais. Il va falloir partir l'arme à la main. Ah, ça te fera un bon exercice, petit. Seigneur, pardonne-nous. Reste près de moi, Tjolbert. Seigneur, pardonne-moi. Je retirerai les coups. On a fait 15 meurtres dans l'église. Reste ici. C'est le lieu le plus sûr, évêque. Oui, donc à mon avis, t'as pas dû avoir le même scénario, quoi. Pas le même...
les mêmes dialogues parce que t'as donné l'argent à Ivar. Bien sûr, je récupère mes 650 boules, faut pas déconner. Mais en gros, si toi tu as donné l'argent à Ivar, Ivar a dû bien se comporter dans l'église. Mais moi, comme j'ai pas donné l'argent à Ivar, Ivar a foutu la merde. Mais toi, qu'est-ce qui s'est passé? Mais bon, ça doit être compliqué de t'en souvenir, je pense. Hein. Mais moi, le frère, il est mort, là. Je suis foutu. Hein. Il a eu la baston dans l'église, chef Puma, c'est ça. Si, j'avais eu pareil. S'il avait absolument pas empêché de faire ça, l'argent, je crois. L'argent, ça ne l'a pas empêché de foutre la merde. D'accord, je prends note. Fais attention à ce que tu souhaites, Rodri. Ah, tu parles du dragon, Top Top, hein. C'est parti. C'est la guerre, vous l'avez entendu? Bon, on va s'occuper du chef d'entrée. Putain. Comme ça, on est tranquille. Hop, on le piétine. Bon, ça va. Qu'est-ce qui se passe? Calmez-vous, bande d'enfoiros. Je suis là, ne vous inquiétez pas. Vous aurez tous votre coup d'épée. Et j'ai contré! Parfait. C'est la guerre! Le couard de Breton, Ivar. Oh putain, on va se soigner. Putain. Magnifique. Parfait. Ouh là, il y a un chef. Puis il est même pas tombé, sans déconner. Ok, le chef. On a dit le chef. Parfait. Parfait. Ouh, qu'est-ce que j'aime planter des couteaux dans la gorge. Ouh, j'en ai eu deux d'un coup. Magnifique. Professional gaming, les gars. Oh là là, qu'est-ce que je fais mal. Putain, mais ils sortent indéfiniment, bordel. On va éliminer les Bretons. Les Bretons. Je vais vous défoncer, les Bretons. Magnifique. Encore une guerre remportée par le WAM. Établir un piège? Ah oui, d'accord. Je peux établir un piège comme ça, normal. Mauvaise nouvelle, j'ai eu bien peur. J'en ai bien peur. Ivar commence absolument ce combat. Quoi que vous fassiez, c'est bien ce que j'ai pensé. Il s'en fout et commence quand même la bagarre. D'accord. Alors pourquoi il nous laisse choisir, Ubisoft? On va passer en mode nuit. Non, on peut pas. Je voulais dire en mode journée. On ne pouvait pas passer en mode journée. Parce qu'on est en pleine guerre. Oh, pop, 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 pop. Nouvelle guerre, les gars. Nouvelle guerre. Nouvelle guerre. Éliminer les soldats bretons. C'est parti. On va faire des teutés. Ouh, cette tête qui s'est envolée, les gars. Oh, mais j'arrive pas à la voir. Bougez pas, cet amphoros. Faudrait que je fasse la flèche enflammée, non? Oh là là.
On va faire la flèche enflammée une fois de plus. C'est où qu'il y a du monde? Ici. Ils prennent pas les dégâts dans l'eau, je crois. Ils prennent pas les dégâts dans l'eau. Vive les nions! Allez, c'est parti, les gars, la boucherie. La boucherie dans la boucherie dans la rivière, les gars. La boucherie dans la rivière, sans déconner. Abusé. Mais laissez-moi tranquille. La flèche enflammée alors qu'ils sont dans l'eau. Et ça faisait une explosion. Merde, j'ai raté. J'ai raté ma flèche enflammée. Effectivement, 6 de dégâts, c'était un peu moyen. C'est extrêmement mal réfléchi. Ça y est, quand il y a les flèches, ça veut dire qu'il en reste plus beaucoup. Oh putain! Oh putain! C'est la première fois qu'on voit ça. C'est la première fois qu'on voyait ce finish move. À la manche enchaînée. Aux manches enchaînées, les gars. Tiens, lui, on le finit à l'épée. Ah, c'est un chef en plus. Viens là, mon coco. Viens voir tonton Wham. Oh là, il a pris cher là. C'est le dernier. Écartez-le. Prends pas beaucoup de dégâts hein, à la flèche. C'est qui? C'est Ivar qui se bat là? Oh putain! Ivar, il rigole pas, les gars, vous avez vu ça? Oh, ces enchaînements de coups de couteau! Truc de ouf! Les Bretons aux petits oignons, effectivement! La flèche enflammée, là, top top, dans l'eau, ça mérite un best-of. Alors, il est où? On va parler à l'évêque. On doit aller parler à l'évêque, il est à 100 mètres, les gars, on va prendre le canasson, parce qu'il faut pas déconner. Il est où mon canasson, bordel? J'ai appelé mon canasson. Il est là, parfait. Oh là 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 là, top top. Il est incroyable, ce top top. Il a déréglé le slot. Hein. C'est inadmissible, top top. Il gagne sans vergogne au slot. Comment fait-il? Je ne sais point. Il a déréglé l'algorithme. Il a déréglé l'algorithme du slot. Incompréhensible. Je ne gagne jamais. D'ailleurs, je vais commencer à économiser. Je vais commencer à passer au gumball là, les gars, parce que c'est déconné. Hein. Il va être content, l'évêque. On a défoncé tout le monde. Tu as tué le frère de Rodri, espèce d'animal. Tu as ruiné notre seule chance de paix. Une paix avec Rodri est aussi improbable que de te voir mourir puceau, évêque. Ne compte pas là-dessus. Il est trop retors. Ivar a eu raison, je vais mettre. Il a toujours raison, Ivar. Parce que j'ai peur qu'il m'envoie un coup de poing et qu'il m'arrache la tête. Ivar n'a pas tort. Rodri ne nous a montré que du mépris. La paix n'était pas pour aujourd'hui. Tu vois, Atling, Eivor comprend. Il ne peut y avoir de paix avec ces Bretons arriérés. Ce qui est fait est fait. Nous devons préparer la suite avant que les Bretons ne se regroupent. Ils vont se replier dans leur grand château, c'est certain. Il est quasiment imprenable. Alors on va les affamer, attaquer leur ravitaillement, les regarder implorer la mort. Seigneur, encore des combats, des morts et des réfugiés. C'est la seule solution, Deorlaf. Tu connais bien la région. Comment peut-on leur nuire?
Ma foi, pour ce qui est du ravitaillement, ils entreposent des choses à l'avant-poste de Wenlocan, au sud de Quadford. Rodri a un autre moyen d'approvisionnement secret. Demande aux réfugiés sur la berge, ceux qui ont fui les villages occupés. Les Bretons de Rodri vont contre-attaquer bien avant nous. Oui, ils enverront Ynir et ses troupes. Ils s'entraînent à Westbury, à l'ouest de la tour en ruine. Tu n'as pas besoin de me tenir la main, Eivor. Je vais aller voir ce qui se passe à Westbury. Je connais tes méthodes de reconnaissance. Elles s'achèvent toujours l'arme à la main. Je suis aussi constant que la marée. Je vais t'accompagner. Ne serait-ce que pour avoir un aperçu réel de notre situation. Je vous retrouverai tous les deux à Westbury. Après avoir fait quelques dégâts de mon côté. Mais ce que t'as raté, Docteur Ditteno, c'est une putain de guerre avec Kaivar. Nous aurons besoin d'infirmes pour combattre. Alors tâchez de libérer des prisonniers pour étoffer nos rangs. T'as raté une putain de guerre avec Kaivar. Le gars, il a enchaîné 15 millions de coups de couteau sur un gars qui était déjà mort. C'est un fou, ce Kaivar. Plusieurs quêtes à accepter. Ça y est, on déclenche la région du... Puis j'arrive pas à le dire, les gars. Shiro Peshire. Pour moi, c'est Shiro Peshire, ça se dit. Hein. Franchement, je sais pas. J'ai pas de quête. Alors, le sac de Wenlocan. Et franchement, les noms, ils sont à dormir dehors dans ce jeu. Très compliqué à... Très compliqué à... À énoncer. Donc le livre des dragons, partie de le livre des dragons, chapitre 2, Eivor affaiblit les forces bretonnes en pillant l'avant-poste de Wenlocan. C'est parti. Oui, c'était bien le livre des dragons, Top-Toff, tu avais raison. Une quête spécialement pour toi, Top-Toff, j'ai l'impression. C'est parti. Je l'ai sélectionné, non? Il me semblait l'avoir sélectionné. Voilà, trouver l'avant-poste de Wenlocan. Il est là-bas, parfait. On va se mettre 2 jours. Tu vois, j'ai pas rêvé, effectivement. T'es juste mauvais en anglais, Wam. En anglais, je suis un véritable fail, les gars. I speak English very well, chef Puma. I can sing a song... In English, without problem. Because Dr. Nintendo must have sing a song in English for the next stream of Minecraft ARP. Je peux vous faire un live en anglais, moi, y a pas de problème. Go, c'est parti, le cheval, on va se rendre donc dans l'avant-poste, dans une forêt à Wenlocan, je crois. Hein. Wenlocan. L'avant-poste est dans une forêt au sud de Quadford, à l'ouest du lac Dunmaston. Je voulais tellement voir Ivar violer de son couteau un cadavre. Ah, je te garantis que c'était assez impressionnant. Ça s'est passé même dans cette rivière. Est-ce que je peux traverser, les gars? Non, je ne peux pas traverser. D'accord, on va faire ça. Je dois bien faire un live en chantant. On avait dit un live ou quelques minutes? Ah oui, un live entier, on a dit. Parce que parler en chantant, c'est pas mal. Alors, parler en chantant, c'est pas mal. J'avoue que celle-là, elle va être pas mal. Parler en chantant. Je vous jure, monsieur Docteur Nintendo, que je ne vous lâcherai pas pendant tout le live et je ferai exprès de vous parler. Je ferai exprès de vous parler juste pour vous entendre me répondre en chantant. Alors j'espère que les gages vous ont plu. Je remercie Internet qui m'a donné de l'inspiration pour trouver ces gages de sanctions à Docteur Nintendo. Est-ce qu'ils te plaisent d'abord à toi-même, Docteur Nintendo, tous ces gages? Je ne peux même pas tous les énumérer tellement il y en a.
mais je sais que le substitut du procureur les a tous notés et se fera un plaisir de me les rappeler le jour venu. J'aurais bien aimé parler la vache. Faudra condamner Arke et Chef Puma par contre. Je vois que votre talent de délateur ne s'est pas évanoui, monsieur Docteur Nintendo. Allez, c'est parti. Donc c'est à 200 mètres, ça va, c'est pas très loin. Et la mission se nomme le sac de Wellokan, de Wenlokan. Et puis mon anglais, il est pas mal, hein. Chef Puma, il m'a pas parlé de mon anglais, là, après avoir parlé... Ok, j'ai trouvé l'avant-poste, les gars. Si je m'empare de la cargaison, cela affaiblira les Bretons qui voudront la paix. Donc il faut que je m'empare de la cargaison. Comment la voler d'abord? Qui c'est qui m'a vu? Oh là là, c'est un boss. Il va arriver, il va faire le tour. C'est un chef, les gars. Il a une ressource. Regardez ça, comme je vais le poutrer. Comment on fait? Il y a un passage? Oui, il y a un passage. Je vais le poutrer, il va rien comprendre, les gars. Par contre, c'est pas du one shot. Ok, parfait. Oh la gueule, regardez-moi ça! La position du German souplex. Ça ne rigole pas. Richesse collectée, magnifique. Je lui ai encastré la tête dans la table. Quelle position magnifique. Extraordinaire. Il n'y a que moi pour faire ça. En fait, comme demain, il n'y a pas Koh-Lanta, il y a quelque chose de prévu. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de Koh-Lanta? Ah, il y a l'équipe de France qui joue. Et oui. Putain, mais vous savez quoi le pire? C'est que j'oublie qu'il y a Koh-Lanta. C'est un truc de fou. J'ai fait un live ce soir parce que je me disais demain il y a Koh-Lanta. Putain, il y a comment faire ça, franchement. Wam, je veux être l'avocat d'Arke pour son procès. Il faudra débourser des diamants, monsieur Docteur Nintendo, dans Minecraft. Si vous voulez être avocat commis d'office, il faut donner un pot de vin à monsieur le maire. Ne l'oubliez pas. Bon, on va pouvoir continuer à envoyer des flèches. Ok, ils sont forts parce que je peux pas faire des one-shots, hein. Ils sont plutôt forts. Je peux pas one-shotter, les gars. Ah putain, il m'a esquivé. Il m'a vu ou pas? Oh, qu'on se coud dans la tête, les gars! Professionnel gaming! Je n'ai plus de flèches. Putain, j'avais un coffre à piller juste derrière. Qui c'est qui m'a vu là? Il m'a vu. Il m'a vu, ce con. Professionnel Martin, des diamants, j'en ai à l'infini, je te le rappelle. Oui, mais monsieur Docteur Nintendo, peut-être que vous ne serez plus jamais créateur dans Minecraft. Je plaisante. Parfait. Ici, on en a un.
One shot, c'est parfait. On est pas mal. Putain, j'ai plus de flèches encore. Ah, mais il y a encore un coffre ici. Il y en a beaucoup de coffres à récupérer, hein. Parce que là, on en a fait deux, on n'est même pas à 25%. Et je ne suis pas très doué sous le bureau, donc je peux pas te donner ça. On est pas mal, non? On est pas mal, les gars. Oh putain, il y a trois gardes qui sont arrivés. Par contre, il y a un gros. Parfait, je me protège. Hein. Pas mal. Oh, bien joué. C'est bon. Us. Ouh, elle était violente, celle-là. C'est la première fois qu'on voit ce finish move. Hein. Alors, il est où l'enfoiros qui me tire des flèches, là? T'as pas honte de tirer des flèches comme un traître? Je dis ça et j'ai fait la moitié du camp en envoyant des flèches. Oui, je suis comme ça. J'aime être déloyal. Viens là, mon gros. Parfait. Un coffre de plus. Un coffre là-haut. Parfait. Il y en a vraiment beaucoup, hein. Un coffre ici, normalement. Parfait. Où sont les autres coffres? Il n'y en a pas un ici, par hasard? Non. Par contre, je vais prendre des flèches. Un coffre ici, j'ai déjà pris. Donc, il y en a dans la grotte ici. Pas de problème, je les ai vus. Je crois qu'il y a plus de soldats, hein. Je pense avoir fait le génocide du village. Message d'une âme généreuse. Très bien. Ok. Du matériel. J'ai tout fait là. Est-ce que les autres sont dans la grotte? Là, à l'extérieur, j'ai l'impression que c'est terminé. Hein. À l'extérieur, c'est terminé. Ici. Il y a des soldats. Des hommes pour le fier de Dodi Orlaf. Plus précieux que des marchandises. Je vais vous libérer, ne vous inquiétez pas, messieurs. Liberté. En échange, offre ta pique à ce comté. D'accord. Parfait, j'ai trouvé des soldats, des coffres ici, magnifique. Une lettre ici, ordre relatif aux prisonniers, si vous capturez des Saxons, gardez-les en vie, nous nous en servirons pour les ouvrages en terre ou à la carrière. D'accord, des esclaves. Et le dernier coffre ici, certainement. Voilà qui est fait. Reste à identifier leur ligne de ravitaillement. Je crois que grâce à Big Matt, tout le monde est sub ce soir avec nous. Heureusement que Big Matt, il ne peut pas sub Streamlabs. Hein. Sinon, on n'a que des subs ce soir. Ça rigole pas. Ça ne rigole point.
Parfait, la guerre est terminée, messieurs. Alors attendez, parce que je crois qu'il y a quand même un trésor. 100% de sub, les gars, ce soir. Et grâce à Big Matt, dans 6 ou 5 subs, on aura droit à un deuxième émoticône. Un deuxième émoticône bientôt en vue. Et merci une fois de plus à Big Matt. Alors attendez, où est ce trésor là? Est-ce qu'il y a une entrée quelque part? Ça doit être dans la grotte, attendez. Est-ce qu'il y avait une entrée? Ah, ici, déjà. C'est quoi? C'est un coffre. Minerai de fer, d'accord, c'est juste un... Il n'y a surtout pas trop d'intérêt à Substream Labs. Ce n'est pas... Si ce n'est perdre son argent. Je suis en train de faire bugger Minecraft. Attention, joue pas trop, hein, Docteur Nintendo. Alors, maintenant ici. Voilà, ici, il y a un truc caché. Est-ce que je peux y aller? Oui. C'est le secret le plus difficile à trouver du monde, les gars. La lumière est magnifique. C'est pas très compliqué à trouver. Alors, qu'est-ce que c'est? Un casque de brigandine. Ça peut être pas mal, ça. Est-ce qu'il est plus élevé? Est-ce qu'il est plus élevé, ce casque? Inventaire. Qu'est-ce que j'ai en casque? Le casque de brigandine. Level 36, oui, il est mieux. Heureusement, les gars, que ce casque, je l'ai pas mis en apparence, hein, parce qu'il est ignoble. Et le casque de brigandine, ouais, c'est un peu mieux déjà. Ben, j'ai fait exploser 22 000 TNT. 24, 25. C'est quoi la tronche que j'avais avec ça? Ah, c'est un masque! Mon Dieu, il y avait le Covid déjà à l'époque, les gars. Il y avait le Covid à l'époque. Sérieux, mais ça, il est arrivé dans une mise à jour, ce... Quoi qu'il est sorti, le Covid existait déjà, tu me diras, hein, ce jeu. Bon, c'est celui-là, mon casque le plus haut avec 36. Je vais l'améliorer deux fois. Il est passé à 40, c'est très bien. Et ensuite, je vais placer une rune. Résistance incendiaire, plume de mineur, moins 1 en poids. Rune de résistance accumulation toxique. Dégâts à distance. Résistance de l'élite. 1% de résistance, 2% de résistance, résistance, résistance. Non. On va mettre celui à dégâts à distance. Comme ça, avec l'arc, j'envoie du lourd. Parfait. On est bien. Ouh là là! Ouh là là! Docteur Nintendo, il a failli avoir les 3 chevelus. T'as failli avoir les 3 perruqués, Docteur Nintendo. Bon, je crois qu'on peut se casser d'ici, du coup. Hein. Ah, par contre, il y en a un ici, là. Comment on va faire pour monter? Comment on va faire pour monter, les gars? Attendez, action-réflexion. C'est la deuxième fois que j'ai les 2 perruques. Ça va peut-être bientôt tomber. Bonne nuit, T41. Merci d'être passé, en tout cas. Un grand merci à toi. Alors, comment je fais pour monter là-haut? Comment je fais là? Il y a un trésor en plus. C'est par là-bas. Je crois que c'est par là-bas, les gars. Je pense avoir trouvé. Je pense avoir trouvé. Je pense avoir trouvé, les gars. Je pense que c'est comme ça. Putain de sa race maudite. Il faut que je fasse le tour de l'arbre.
Voilà, parfait. Parfait. Oh là 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 là, les gars, l'esprit de déduction. Magnifique. Une rune. C'était... Est-ce qu'on a fait le 100% ici? Je crois qu'on a fait le 100%. Est-ce qu'il y a une croix sur le village maintenant? Il n'y a pas de croix. Hein. Bon, tant pis. Je me ferai bien un petit point de... Un petit point de passage là-bas. Hein. Ouh là là, il a fait péter le slot à 666, chef Puma, attention, danger! Il a failli l'avoir en plus. Sauf que c'est Cristiano Ronaldo, les gars, avec la... Avec la coupe blonde, là. J'ai l'impression que c'est Cristiano Ronaldo. Monture indisponible, ils sont sérieux. Faut que je monte tout en haut, là. Ah, ils sont complexes, les points à récupérer. Hein. On va essayer de monter au mieux avec le cheval. Oui, normalement, c'est... Oui, oui, c'est largement montable avec le cheval, puisqu'il s'agit d'une architecture. Parfait. Le 616, il marche pas sur Twitch. Ouh, le 69. Le 60... Il a sorti le 69. Je sais pas. Franchement, je crois que Top Top a marabouté il a marabouté le slot, Top Top. C'est pas possible. Il a marabouté le slot, Top Top. C'est incroyable. T'as combien de victoires, Top Top, au slot? J'aimerais bien savoir. Non, mais c'est normal qu'on gagne pas au slot, Wam. Pourquoi? Explique-moi. Je sais pas si on peut aller sur les terres enneigées là-bas au fond. Ça va bien bloquer à un moment donné. Le slot Twitch a peur du dragon. C'est peut-être vrai, hein, Top Top, hein. Non, mais c'est normal qu'on gagne pas au slot. Mais parce qu'il y a beaucoup plus de combinaisons possibles sur Twitch. Oui, il y a plus de combinaisons, je suis d'accord. Mais s'il y a plus de combinaisons, il y a plus de chances de gagner. C'est ça que je comprends pas. Oh putain, j'ai bien fait de me rattacher, là. J'ai oublié de me raccrocher. Y'a pas un petit secret par là? J'étais sûr qu'il y aurait au moins un petit coffre ou quelque chose. Il y a que dalle. Attendez, on peut faire péter ici. Ouh là là, attendez, je sens le petit secret. Ouh, je sens le petit secret, les gars. Non, mais t'es sérieux, j'ai appelé ma monture ici? Je sens le petit secret, les gars. Une carte au trésor! Ouh, j'aime bien. J'ai eu le x1, le x2, le x3, le x7 et le x5 deux fois. Une machine à sous avec deux symboles, tu vas gagner plus souvent qu'une machine qu'avec 10 symboles. Mais non! Il y a plus de chance, il y a plus de chances de gagner. Oui, il y a plus de chances de gagner. Plus il y a de combinaisons gagnantes. Plus vous avez de chances de gagner, c'est normal. C'est fou quand même.
Mais non, Wham! Mais si! Plus il y a de combinaisons, les gars, plus tu gagnes! Ok, oulala, va falloir que je trouve une... C'est bon, il a réussi à grimper, c'est bon, parfait. Revois tes maths, Wham! Revois tes maths, Mati. Bon, mission réussie. Je serais tenté par la carte au trésor, moi, les gars. Une petite quête... Une petite quête environnementale, pardon. Oh là là, je ne sais plus parler. Une petite quête environnementale, je ne suis pas contre. Puisqu'elles sont quand même assez cool. L'inventaire, la sacoche. Ça se passe où, la quête environnementale? C'est ça, carte au trésor. Carte du trésor du château de Costow de Shiroshpeshire. Il y a plus de combinaisons gagnantes, certes, mais le nombre de combinaisons possibles est plus élevé. Ah oui, parce qu'il y a plus d'émoticônes, autant pour moi. S'il y avait eu le même nombre d'émoticônes que sur YouTube, et plus de combinaisons, forcément on avait plus de chances de gagner. J'ai une idée, on va faire un euro million. 10 millions, 10 000 chiffres et 500 étoiles, on va gagner plus souvent. Non, là non, docteur Nintendo. Donc qu'est-ce que ça dit? Ah les gars, j'aime ça. J'aime ça. Carte du trésor du château de Costow de Shirebreshire. Putain, je sais pas le dire sans déconner. Donc on va falloir qu'on trouve le château sur la carte. Et c'est au milieu du lac, j'ai l'impression. Hein. Alors, où est ce château? Où est le château de Shirebreshire? C'est pas ce lac-là parce qu'il est trop grand. Est-ce ce lac-là? Non. Trouvons un lac, les gars. Un château, surtout. Je ne trouve pas de château, les gars. Je ne trouve pas de château. Mais c'est que tu étais en train de dire. Ben non, non, j'ai compris après qu'il y avait plus d'émoticônes. Ah, c'est ici. Non ? Non, on vient de là. Est-ce que vous voyez un château, les gars? Vous savez ce que je vais faire? Je vais utiliser pour la première fois le corbeau maléfique, là. Est-ce que vous voyez un château? Au milieu d'un lac. C'est pas là? Où est-ce que le château était détruit? C'est pas aujourd'hui que tu iras à France 3, hein? Pourquoi tu dis ça, Top Top? Si tu me dis combien il y a d'émoticônes différents, je peux te faire le calcul du nombre de combinaisons possibles. Mais non, je ne peux pas. Malheureusement, est-ce que vous voulez qu'on essaye de résoudre le mystère? Où est ce château, les gars? On va se mettre deux jours, on verra mieux déjà. On va se mettre deux jours. Ah, la carte au trésor. Merde, ça m'a mis de nuit. C'était pas encore trop tard dans la nuit pour passer de jour. Ah! Oui, à la carte au trésor, j'ai compris.
On va revérifier la carte. On va revérifier la carte, les gars. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Tout en bas. C'est quand même un gros château, quoi. Et le lac qui ressemble à un sgeg avec ses balls. Là, c'est les balls. Là, c'est les balls. Et là, c'est le tube du sgeg. Voilà. C'est un lac qui ressemble à un sgeg. Normalement, avec cet indice-là, je pourrais trouver le lac qui ressemble à un sgeg. Mais le problème, c'est que je ne trouve pas de lac qui ressemble à un sgeg. Ah, ici, les gars. Oh, j'ai trouvé le lac. C'est ici, les gars. Regardez, les balls sont là. Et le tube est là. Le tube du sgeg. C'est bon. Château de Coastow. Tu n'as pas ça sur ta carte? Non, ce n'est pas marqué, mais c'est ici, c'est sûr. Je vois qu'il y a un... C'est ici, les gars, c'est sûr. On y va. Mon cheval magique. Quoique je peux peut-être me faire un déplacement rapide. Ici, ça sera plus rapide, effectivement. Avec 10 émoticônes différents, ça fait déjà 720 arrangements possibles. Honnêtement, ça fait une faible probabilité. Putain, non mais... Bon, sgeg fait la taille d'un lac. Mais je pense pas que ça va nous avancer. Je pense qu'on a trouvé, les gars. Par contre, c'est à 1000 mètres. Hein. Ouh, double binding of Isaac. C'est pas possible. Ouh, Dr. Nintendo, c'est fait. Première victoire au slot, Dr. Nintendo. Un grand bravo à toi, Dr. Nintendo. On a fait le full sub, les gars. Ce soir, il faudra se souvenir de ce live comme... comme un live d'exception avec un full sub ce soir. Full sub. Et en plus, full sub à 5 ou à 6. Merci beaucoup au Big Matt. Le Big Matt, il a fait la sub partie. La sub partie. Le x4, je ne l'ai pas encore eu. GG. Donc la tête qui fait des grimaces, c'est le x4. J'en suis sûr que c'est là, les gars. Qui pense que c'est là? Est-ce que vous pensez que c'est là, les gars? En l'ayant vu comme moi sur la map. Et je vais m'arrêter ici pour pas que vous en voyez plus. Qui pense que c'est là? J'ai mis un sondage, je sais pas si vous le voyez. Qui pense que c'est là? Dites-moi, n'hésitez pas à voter. Alors, j'ai un oui. J'ai un oui. J'ai qu'un oui. J'ai qu'une seule personne qui a vu le... Qui a vu le sondage, peut-être. Ils étaient cachés dans la... Vous étiez cachés dans la fougère, bande de chacals. Je vais m'occuper de vous. Donc on disait le foin, les têtes grises.
Ils esquivent bien ces chacals. L'autre, il est tout en haut, ce con là. Alors, voyons voir ce lac. Le lac serait par là, normalement. Donc, j'ai eu un vote qui pense comme moi que ça serait là. Maintenant, il va falloir le trouver, hein, si c'est là, bien sûr. Hein, il va falloir trouver le... Est-ce que j'avais raison? Est-ce que j'avais raison? Y a-t-il un lac? Oui, je vois une partie d'un lac. Par contre, j'ai l'impression que... Il y a une rivière. Non, c'est là-bas. Attendez, c'est pas là du tout. C'est une mare aux canards. C'est une mare aux canards, le bordel. Alors, ça a bien la forme d'un sgeg. Par contre, on n'a pas le château du tout. Et j'ai pas le ponton. Ce n'est pas là, les gars. Non, ça avait bien la forme, pourtant. Je vais fouiller quand même, on sait jamais. Magnifique, l'arbre qui n'est pas planté au sol, génial. Celui-ci aussi, hein. Génial. Il est bugué. Oh oh. Va la la. La di da la. Il est bugué. Oh oh. On voit les arbres qui sont pas plantés. Oh oh. Eh, il est bugué. Va la di. Va la la la. Il est bugué parce qu'il y a les arbres. Il flotte dans en l'eau. Sans déconner, regardez-moi ça. Comment ils ont osé faire ça? Par contre, de l'extérieur, nickel l'arbre, hein, aucun problème. Hein. C'est parce qu'en fait, dans les assets de texture, ils n'avaient pas un arbre qui était assez grand. Un arbre coupé assez grand pour aller jusqu'au sol. Par pitié, arrête de chanter, il m'a dit. Bon, ce n'est clairement pas là, les gars. Hein. Remise à zéro des options. J'étais sûr que c'était là. Bon, cherchons notre lac qui ressemble à une tub. Attendez, mais là je suis où? Ah, mais je suis. Ah non, je suis bien dans le Shiro Pêchailleur. Pas possible. Il est où mon lac? Il est où mon lac, les gars? Où est mon lac, bordel de merde? Mais qui me dit que c'est au Shiro Pêchailleur? Attendez. Qui me dit que c'est au Shiro Pêchailleur, là? Le château, on va chercher le château. Le château des costauds. Où il est le château des costauds? C'est peut-être plus tard, hein? Qu'est-ce qu'ils disent? Il y a juste une carte, en fait. Il y a juste une carte. Je comprends pas. Je comprends pas.
Non, Costo du Chiro Pêchailleur. Le château de Costo du Chiro Pêchailleur. On va aller pêcher ailleurs si ça continue. Putain, j'ai une mare au canard. Je me suis complètement gouré. Sans déconner. Donc c'est bien au Chiro Pêchailleur. Ouh, bien joué, Docteur Nintendo. Ça, c'est du bien joué. La blague est valide, Wam. La blague est valide. Bien joué, Docteur Nintendo. 2000 points au Gamble avec un 100. Champignon du monde. Mais les gars, c'est pas possible. Est-ce que le lac s'est asséché? Parce que je ne vois pas de lac. Celui-ci a la forme d'un cœur. Le 100. Le 100. Carrière de Dustone. Costo, on va chercher Costo. Oh, attendez. C'est ici. C'est ici, les gars, mais il ressemble pas du tout le lac. C'est ici. C'est sûr et certain. Oh là là, les gars, prédiction. Oh là là, vous l'avez vu comme moi. Osez la prédiction si vous êtes des hommes dans le chat. Osez la prédiction. Oh là là. Osez la prédiction si vous êtes des bonhommes. Vous avez plus de 30 000 points. Est-ce que c'est là? Oui. Non. Une minute. Le temps d'y aller. Osez, les gars. Osez, s'il vous plaît. Osez. Vous pouvez même parier 10 points. Vous en avez 3000. Arrêtez de déconner. Ici, je pense que c'est là. La tub et les balls. C'est sûr. C'est sûr. Il faut le faire, ça. Je suis le maxi au Gumball. Wham et le mini. Oh putain. Y'a que moi pour faire ça, les gars. Y'a que moi pour faire ça, les gars. Le mini. Ah, y'en a un qui a voté 6 points. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour voter non? Ah, y'a quelqu'un qui a voté non. Ouh, ça va être intéressant. Ouh, ça va être... La prédiction va être intéressante. Y'en a un qui a dit oui, y'en a un qui a dit non. J'ai parié 6 points de chaîne. C'est très bien, Docteur Nintendo. Les cotes sont à combien? Est-ce que je peux voir les cotes? La cote est à 2,67, hein, tu peux doubler. Et pour le nom, la cote est à 1,6. 1,6 pour le nom. Le nom, c'est Top Top. Le oui, c'est Docteur Nintendo. Très bien. J'ai mis 10 du côté non pour qu'il y ait du jeu. Ah, Top Top. C'est un vrai Top Top. Une vraie prédiction. Que ça va ressembler? Est-ce que ça va ressembler? J'arrive au fameux lac. J'arrive au fameux lac. Non.
C'est pas encore là. Oh, c'est à 1000 mètres. Oh là là, on est loin. On est très très loin. À la limite, j'aurais même pu faire le déplacement rapide ici. Hein, pour gagner du temps. J'allais y aller à cheval, les gars. Ouh là là, il y a du suspense. Je vais aller me renseigner, voir où il est. Ah, Top Top, il veut la réponse. Attends qu'on y arrive au moins, Top Top. Ça te laissera du suspense. Allez, c'est parti, on y va, Adonf. Moi, je pense que c'est là, les gars. Moi, je pense que c'est là. Je pense que c'est là, les gars. Moi, je pense que c'est là. Parce qu'il n'y a pas 45 000 lacs dans le Shiro Peshire. Je pense pas. Je pense pas que je me trompe. Je pense pas. Je pense pas, les gars. Non. Est-ce que la malédiction de la prédiction va encore tomber sur Top Top ? C'est dans combien ? Dans 900 mètres. Elles sont assez vides, hein. Elle est assez vide cette zone. Et en plus, il y a un point jaune. Il y a un point jaune, donc déjà ça sent bon. Oh là là, elle est vide la zone, c'est un truc de fou. Hein. C'était vraiment mettre des terres pour mettre des terres, quoi. Hein. Je vois pas de château. Je vois pas de château déjà. Je vois pas de château, les gars. Est-ce qu'il y a un ponton? Il y a un ponton, les gars. C'est une mare au canard une fois de plus. Il y a le ponton. Il y a le ponton, mais c'est pas là, les gars, c'est sûr. C'est pas là, les gars, c'est pas là. Rune de protection ? Est-ce que c'était ça ? Je crois pas que c'était là, les gars, hein. Et Top Top, on va avoir besoin de toi pour la réponse. Hein. Non, j'ai toujours le... Non, c'était pas là, les gars. Hein. La malédiction pour Top Top, la malédiction a eu lieu une fois de plus. Hein. Et c'est où, ce bordel? Il est trop petit, ce lac. Il paraît tellement grand. C'est pas là, c'est sûr.
c'est impossible. Ok, je viens de voir. Est-ce qu'on était au bon endroit, Top-Top? Je crois pas, hein. Je vais faire ça puisque c'est à côté. Mais il n'y a pas de château. Le lac est clairement plus petit. Ok, on arrive dans une zone maléfique, je crois, là. Ok, oh là là, zone maléfique. Sortons d'ici. Zone maléfique. Faut que je vise sur un objet maléfique, là. Pourquoi ça s'était pas activé? Pourquoi ça s'était pas activé avant? C'est pas là du tout, il a dit. Où est l'objet maléfique ici, là? Bon, si c'est pas là du tout, les gars... C'est ici, c'est en profondeur. On y va. Je tente. Le crâne maudit. C'est bon, symbole maudit détruit. Message taché de larmes. J'ai demandé sans cesse au druide. Où allons-nous trouver quelqu'un à sacrifier? Il est toujours resté silencieux. J'ai commencé à me dire qu'il n'y aurait pas de sacrifice jusqu'à cet instant. L'échelle a été retirée et je suis là à attendre. Oui, mais je crois que t'es mort, hein. Je crois que tu es mort. Doc, on est désolé. Prédiction foireuse une fois de plus. C'est avec un grand plaisir que je t'octroie la défaite. La réponse était non. Bravo Top-Top. Vous avez remporté la prédiction, monsieur Top-Top. C'est pas là du tout. Top-Top, tu me confirmes que c'est bien dans la zone du Shiro Pêchailleur. On est d'accord. Et pourquoi je ne vois pas le lac alors? Dans l'orientation, je parle. En même temps, tu es nul. En même temps, tu es nul. Tu as remporté combien de points? Tu as remporté 16 points, Top-Top, gratuitement, face à Dr. Nintendo. C'est pas possible. Là, c'est Quad Ford. La faune Alphen. Oui, c'est bien dans le... Mais comment ça se fait qu'on le voit pas? C'est un gros lac, alors. Attends, le lac est visible? Non, mais attendez, on a fait toutes les mares au canard, sans déconner. Attendez, on fait un petit coup de scannage avant. Je fais un petit coup de scannage. Attendez, je suis en train de scanner la zone. C'est pas là, c'est sûr.
En plus, il montre bien un gros château, quoi. Le gros château, on peut pas le rater, sans déconner. Il n'y a pas de lac, on est d'accord. Ici, on est venu, on a regardé, c'était une mare au canard, sans déconner. Chiro Pêchaillère. Je pense qu'on dit Chiro Pêchaillère, les gars, hein, en anglais. Mais c'est pas possible, les gars. C'est pas possible. C'est pas possible. Il est où ce putain de lac? C'est pas... Est-ce que tu peux me donner le nom du lac, Top Top? Comment se fait que sur la carte, le château n'est pas mentionné? C'est pas possible. Il est pas énorme, la région n'est pas énorme pourtant. Étang de Lifner. J'ai pas le nom du lac. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que c'est au nord-est, au sud-est, au sud-ouest? Mais tu as bien vu quand même qu'on a tout fait là, on a tout regardé. C'est pas possible. Là, c'est l'avant-poste, il y a de l'eau. C'est tout à l'ouest. Et me dis pas que c'est là, c'est pas possible. C'est pas là non plus. C'est pas en limite. Tout à l'ouest, c'est ici. Écoutez, on va aller là. Hein. Tout à l'ouest, c'est là. On est d'accord. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh putain, non mais sans déconner. La tache de sang et tout. Dézoome à fond, je pourrais mieux t'aiguiller. Je vais dézoomer à fond. Dr. Nintendo, il a vu le fail. J'ai dézoomé à fond. C'est ici, le Chiro Pêchaillère, c'est marqué là. Est-ce que c'est dans la zone ronde sur la gauche, là, ici? Le Chiro Pêchaillère, il est écrit là. C'est toute la zone ici, là, Chiro Pêchaillère. C'est dans la zone ronde ici? Là, par là? Me dis pas que c'est ce lac-là qui a une forme d'un cœur, ou celui-ci. Bon, ça galère sur quoi, là? On cherche toujours le lac du Château Costaud. Il est introuvable. Il est introuvable, chef Puma. Introuvable. Me dis pas que c'est celui-là de lac. Le lac du Château Costaud. Oui, exactement. Alors là, ici, peut-être? Bon, alors là, aucune idée. On cherche cette quête. En fait, les régions anglaises, c'est simple. Tu prends des mots français au pif et tu les assembles. Regarde. Oui, sexe. Le trésor de Costaud. C'est ça. Costaud. Le trésor de Costaud. On cherche le château de Costaud pour le trésor de Costaud. On cherche exactement ça, Top Top, si tu veux, chef Puma, si tu veux voir, regarde. On est sur cette quête environnementale.
ici. Tu vois, carte du trésor du château de Coastal. Du Shiro Peshire. Donc il y a quand même un assez gros château que je ne trouve pas sur la carte. Un lac qui ressemble à un Sgeg et ses balls. Et la croix est au milieu du lac. Avec un arbre. Il y a le Sussex. En plus, je crois. Coastal. Alors, c'est dans la zone laquelle, Top Top ? C'est ça, ça serait dans la zone... Parce que là, il n'y a rien de marqué. Tu sais, on va quand même aller les visiter, hein, ça mange pas de pain. Ouh, je suis pas mort. Magnifique. Je ne suis pas mort. Là, on aura tout fait. Hein. Ça mange de mon pain, par contre. Hein. Ça mange de mon pain, par contre. Comment ça se fait que l'endurance du cheval... Elle est limitée, là, comme ça. C'est encore une zone de malédiction, ici. Cette terre en est affligée. Ma baguette est pas trop cuite, en plus. Attendez. Oh putain, il était là, le château Coastal. Ne me dis rien, Top Top. Ne me dis rien, on a trouvé le château Coastal. Mais putain, sans déconner. Il ressemble pas du tout. Le château est là, les gars, c'est sûr, c'est lui. C'est sûr, c'est lui, là. C'est sûr que c'est lui. Faites voir un peu, il est assez long, il y a des sortes de murailles. Je dis rien, je dis rien. Et oui, c'est là, les murailles et tout. Putain, mais il ressemble pas du tout, ce putain de lac. Il a une forme de cœur. Oui, oui, c'est lui. Est-ce qu'il y a un ponton ? Non, là, c'est une mare au canard encore. Donc, on va essayer de se rapprocher du château. Ou alors, c'est de l'autre côté du château, alors ? Parce que là, c'est pas possible. Techniquement, ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'était de l'autre côté. Parce que là, on se rapproche du château. Et c'est là qu'il n'y a pas de prédiction. Non, mais c'est au pied du château, normalement. Non, c'est celui-là, ça doit être de l'autre côté. C'est de l'autre côté, c'est sûr. C'est de l'autre côté. C'est obligé, c'est de l'autre côté, putain. Y a pas de lac. Donc pas de lac, on en est sûr. On va faire le tour. On va aller faire le tour par ici. Ah, oh, il m'a rendu fou quand même. Hein. Ah, cette carte au trésor. Attendez, alors, de l'autre côté. Il n'y a rien de l'autre côté aussi. Se foutent de la gueule, les gars.
Attendez, non. Écoutez, on va essayer de rentrer dans le château. Ils disent pas le nom. Et je suis bien dans le Chiro Pêcheur aussi. Mais j'avais pas toute la carte. Elle était pas... Mais putain, j'allais là, c'était pas la limite. Mais putain, je viens de comprendre. La Comte Sarah maudite. J'avais pas découvert toute la map. Ça veut dire que là aussi, c'est le Chiro Pêcheur. Là aussi. Mais il faut avancer pour la voir. Ou sinon faire les points. Mais putain de Sarah maudite. Saber l'hippopète. Il est là, ce putain de lac. Je suis passé à côté. Oh putain, Sarah maudite. Je viens de comprendre. Bordel de merde, je viens de comprendre. Saber l'hippopute. Ok. Mais c'est bon, je viens de capter le truc, là. En fait, il faut que je découvre la map par moi-même, ou sinon, il faut que je fasse les points de synchronisation. D'accord, mais je me disais, je comprenais pas. Le problème, c'est que la couleur, elle est pas très franche. Voilà, cette zone-là, elle n'est pas découverte. Il faut que j'aille jusqu'à là, parce que là, c'est le Chiro Pêcheur. Putain, non, mais sans déconner. Bon, allez, on file au lac et on s'arrête ici. Et j'espère que c'est celui-là. Est-ce qu'il y a un ponton? S'il n'y a pas de ponton... Ah, s'il y a le ponton, je le vois de là. Non? C'est un ponton ou pas? Oh putain, il est là, le ponton et l'arbre, les gars. Ça y est, je reconnais la forme du Sgeg. Le ponton et l'arbre. Oh putain. Mais putain. Mais j'ai été couillon dans cette histoire. Voilà. L'arbre. L'arbre, le ponton. Le château. Voilà, l'arbre, c'est ça. Putain, non mais franchement, tu es bien au bon endroit. Eh ben dis donc, France 3 ne va pas me recruter à la carte au trésor, là, je vous le dis. 10 points en moins. C'était bien ça. Je vais la montrer pour Chef Puma s'il est là. Voilà, l'arbre, le ponton, le château et le trésor est au milieu du lac. Putain, non mais sans déconner, quoi. Il était là. Un schéma de Vidar. C'est quoi le schéma de Vidar? Putain, franchement, sans déconner. Sans déconner, mais il n'y a que moi pour faire ça. Tout ça pour ça, c'est clair. J'ai perdu combien? Ça fait combien? 45 minutes? On était là pendant 40 minutes, facile. 40 minutes, les gars. 40 minutes. 40 putains de minutes. Non mais Top-Top, monsieur Top-Top, je vais vous interdire les slots. Double L, alors que je ne fais jamais de double L ou ni de double icône, n'importe lequel. Est-ce qu'une map ouverte est possible cette semaine, ne serait-ce que 2 heures? Non, impossible, docteur Nintendo. Impossible. Cette semaine, impossible. Cette semaine, ça sera pas possible parce que Je suis indisponible tous les après-midi. Peut-être vendredi après-midi. Peut-être. Rappelle-le-moi, docteur Nintendo. Mais vendredi après-midi, j'ai une possibilité. Putain, c'était là. C'était là. On y est arrivé tout seul, quand même. Bon. Faut voir les choses positivement.
Je sais comment les découvertes de maps se font maintenant. Ça, c'est un point fort. Et on a fermé... On a terminé... sur une belle wamouillade, j'ai envie de dire. Hein. Là, c'était une wamouillade de niveau 1. Hein. Pas déconner non plus. Au moins, j'ai passé les 20 000 lors de ce live, ça me va. Les 20 000 de points de live ou les 20 000 de points de Whammer. On va voir ça de suite. Oui, les 20 000, effectivement, top, bien joué. 20 000, hein, ça monte, hein, 5e position pour top. Bravo. Faut juste que je rajoute 8 000 points pour Big Matt pour ses 2 subs offerts. Donc il va passer à 78 000. Et ça va être très très chaud avec Chef Puma, par contre. Hein. Allons, fais une petite pause. Très très chaud avec Chef Puma. Ils vont se rapprocher très sévèrement. Parfait, c'est le moment pour moi de vous remercier, Dr Nintendo, T41, Chef Puma, Big Matt, Top, tous ceux qui étaient présents lors de ce live, et je vous donne rendez-vous peut-être demain soir, hein, puisqu'il n'y a pas Koh-Lanta. L'équipe de France, je m'en tamponne un peu, donc on avancera sur l'histoire demain par contre, hein, parce que là j'ai déconné avec leur cadeau de merde, hein, leur putain de trésor de mes couilles, j'ai un peu déconné là les gars. Merci Top, merci Chef Puma, merci Docteur Nintendo. Il s'est payé une soviétique. Et il a bien mis en avant son message. T'es pas prêt sur ce qui va se passer, Wham. Au Shiro Peshayer, eh ben, je suis ravi et tu m'as hypé pour demain, Chef Puma. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans le mini-scénario du Shiro Peshayer. Un grand merci à vous. À plus dans le bus. À bientôt dans le métro. À la voyure dans la voiture. Et à jamais dans le tramway. Un grand merci à vous une fois de plus. Si il ne se trompe pas. Donc, là, ma hype s'est baissée de moitié, Chef Puma. Je ne vous félicite pas. Au revoir. Réputation qui pourrait faire de lui, elle, ou même lui, un mythe. C'est surtout une question de savoir-faire. D'abord, se préparer, puis réussir son entrée. Il pense qu'on est des barbares. Ne les décevons pas. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? On pille, bien sûr. Mais pas n'importe quoi. Prenez ce qu'ils ont de plus cher. Ils ne s'attendent pas à ce qu'on épargne qui que ce soit. Mais laissez-en au moins un. Lui, par exemple. Va dire à tout le monde que le diable est ici chez lui, maintenant.